salut tout le monde, Céline, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo en fait sur le défi des 100 jours, saison 13, jour 16. En fait, j'avais fait une vidéo juste avant, mais je me suis aperçu que je n'enregistrais pas. Et ça a un petit peu, ça m'a un petit peu foutu la chic. J'étais super positif juste avant et bien, je suis toujours aussi positif en fait. Et j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans ce défi des 100 jours, mais plein de choses. Déjà, cette journée d'hier a été dingue parce que j'ai reçu 3 messages de personnes dans mon entourage ou sur le défi qui m'ont dit waouh, tes enseignements sont super, j'aime te savoir positif, c'est cool. Et puis on a partagé plein de choses et ça, je trouve ça super. Et en fait, j'ai relancé là tout récemment que j'avais mis directement sur la plateforme Anchor, qui est pour des podcasts. Le podcast est sur la magie, sur le livre La Magie. Et là, je suis en train de le rediffuser sur YouTube, tout simplement. Donc, ça veut dire que tous les jours, il va y avoir une vidéo sur le livre La Magie. Donc, sur chaque procédé pendant 28 jours. Donc, je vous invite à vous abonner si vous voulez suivre ces vidéos-là pour être dans la gratitude, tout simplement. Donc aujourd'hui, jour 16, alors je ne vais pas vous parler du défi des 100 jours, je vais plus vous parler de l'exercice du défi des 100 jours qui était sur la gratitude et de noter 5 choses, 5 situations ou événements qui ont été extraordinaires. Alors j'avais envie de vous partager les miens et après vous verrez l'enseignement que je vais vous énoncer juste après. C'est déjà d'avoir travaillé pour Patrick Sébastien. J'ai eu cette chance incroyable de travailler récemment pour Patrick Sébastien et d'être maintenant un peu son ami, et c'est ça qui est juste dingue. Ensuite, j'ai la chance aussi de travailler avec François Lemay. Ça, c'est un truc de malade que je voulais absolument. Troisième chose, c'est de vouloir les choses et de les obtenir grâce à la loi de l'attraction. Donc ça, c'est juste dingue. Quatrième chose, une voiture neuve. Je voulais absolument avoir une voiture neuve et je l'ai eue, et c'est ça qui est juste dingue. Et la cinquième, je ne sais plus parce que je suis en train de marcher et que je l'ai noté. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, je vous le noterai. Mais voilà, juste petit message pour vous inciter vraiment à être dans la gratitude, dans la reconnaissance, de vous dire, de reconnaître les choses que vous avez eues dans votre vie, des choses extraordinaires, des choses de dingue, et de les remercier parce que c'est des choses qui vont arriver encore plus. Et moi, c'est vrai que d'être dans la gratitude chaque jour, du moins d'essayer de l'être chaque jour, m'apporte encore plus parce que c'est vrai qu'on reconnaît ce qu'on a, la valeur qu'on a des choses. Et voilà, j'avais juste envie de vous parler de ça. Et j'ai envie de vous donner un petit nom pour les prochaines vidéos, c'est de vous appeler mes positifs, mes petits positifs ou les gens positifs, les personnes positives, parce que j'ai envie de vous positiver au travers de ces vidéos, de cette chaîne YouTube, voilà. Donc je vous fais de gros bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et surtout dans les vidéos de la magie. C'était Vince, ciao!